Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester cet outil. En fait, c'est un nouveau outil qui vient d'être lancé sur le marché. J'ai un peu vu la traîne, j'ai vu comment tout le monde est un peu essayé d'en parler, de ce que ça peut faire et tout. Et bon, j'ai dit, il faut que je me penche un peu sur le sujet. Et dans cette vidéo, je vais faire une revision un peu complète de l'outil. Et nous allons voir comment cela ça fonctionne et comment est-ce que vous allez générer du contenu avec cela. Donc, cet outil va vous permettre de créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est plus l'ancienne du classique où, par exemple, vous allez voir sur YouTube comment créer des vidéos virales avec l'IA où on vous dit, bon, allez sur EventLab, allez d'abord sur ChatGPT, générer le script, ensuite récupérer le script, aller sur EventLab pour générer la voix off et ensuite. Peut-être utiliser CapCut pour monter la vidéo et tout. Donc, cet outil révolutionne tout ce principe. Et avant que nous entrons dans le vif du sujet, je voulais un peu vous montrer une démonstration d'une vidéo que j'ai eu à créer avec cet outil pour que vous puissiez un peu essayer de voir. Donc, j'ai un peu ça ici. Par exemple, La prostate vous est allez un un peu organe voir, important vous chez allez un les peu un hommes. aperçu. Cependant, Et vous certains pouvez vous facteurs en rendre peuvent compte entraîner des que la problèmes de voix, santé, c'est comme la l'adénome voix qui de est la utilisée par la prostate. plupart Mais ne vous inquiétez des pas, créateurs de il vidéos existe des solutions pour maintenant sur les traiter réseaux cette sociaux. affection Bon, et et cette fois, maintenir votre c'est la qualité de voix vie. d'Adam, donc Restez informés et disponible prenez sur soin de votre EventLab. santé. Et également, cet outil aussi a également intégré cela dans son logiciel. Donc, premièrement, bon, parlons un peu des coûts. Au niveau du prix, donc le prix c'est vraiment abordable. Au niveau du prix, donc mensuel, vous avez. Donc vous pouvez d'abord commencer avec 0 euro, 0 dollar pour commencer. Et ce qui est le plus important, c'est que j'ai même téléchargé la vidéo, mais il n'y avait pas de signature du logiciel dessus. Et vous avez 25 crédits et par mois, par exemple, vous aurez. Pour 38 dollars, vous aurez jusqu'à 120 crédits. Ensuite, je vais vous montrer comment les crédits fonctionnent. Mais vous n'êtes pas obligé de payer tout ceci. Le deal est disponible sur AppSumo. Mais à noter, le deal expire dans 4 jours. Vous pouvez voir qu'il y a déjà 46 personnes qui ont déjà donné leur avis ou à l'outil. Donc, avec le deal AppSumo, vous allez payer par exemple 49 dollars. Et vous allez utiliser l'outil à vie. Donc, pour 49 dollars, vous aurez droit à 120 crédits chaque mois. Contrairement à si vous passez directement par l'outil, vous voyez que vous serez appelé à payer 38 dollars tous les mois pour avoir 120 crédits. Mais en prenant le deal sur AppSumo, donc 120, 49 dollars, vous avez accès à vie au logiciel et vous pouvez utiliser vos 120 crédits chaque mois et cela se renouvelle et ainsi de suite. Donc, à noter, le deal expire dans 4 jours exactement. Si après les 4 jours, vous n'avez pas pris le deal, alors cela va expirer. Étant dit, nous allons entrer dans le logiciel pour voir comment cela fonctionne. Donc, j'ai juste mis le mot-clé prostate pour pouvoir essayer de générer une vidéo. Donc, dans votre tableau de bord, vous aurez ici les récents projets. Donc, voilà par exemple la vidéo que j'ai eu à créer. Et ici maintenant, vous allez simplement cliquer sur Create New Video. Vous avez la possibilité par exemple de choisir une URL. Ça peut être peut-être votre article de blog. Supposons que, bon, pour moi par exemple, donc j'ai écrit un article dessus par exemple sur mon blog et que j'aimerais par exemple utiliser cet article. J'aimerais générer une vidéo de cet article. Je vais simplement copier l'URL de mon blog. Je vais venir ici dans l'outil. Donc, si je retourne ici, donc avec le prompt, vous entrez simplement mot-clé et l'outil s'en charge de générer un script de vidéo pour vous. Ou vous pouvez coller une URL, ça peut être une vidéo, un blog, peu importe. Ou vous pouvez écrire votre propre script, vous entrez et remplir tout cela. Vous allez simplement cliquer sur générer. Je vais prendre l'aspect prompt ici. Donc, par exemple, là, je vais entrer mon mot-clé histoire drôle pour les enfants. Et ici, je vais choisir le format. Et je vais prendre toute la langue, le français. Et ici, je vais laisser que l'IA s'en charge de générer les visuels pour moi. Je vais un peu choisir le style de visuel pour les enfants. Je veux que ça soit un peu colorique.
Et au niveau de la longueur, je vais aller par exemple jusqu'à 50, bon, 60 secondes. De 55 à 60 secondes. Donc, c'est la durée pour les shorts. Et ici, je vais laisser ma voix à dame, je vais laisser Happy et je vais cliquer sur générer script. Là, maintenant, l'outil va s'en charger d'écrire mon script pour moi. Comme vous pouvez voir là, une fois que tout mon script est généré, donc voilà par exemple un script d'une histoire drôle pour les enfants. Je vais maintenant cliquer sur créer de vidéo, générer de vidéo. Là maintenant, toute ma vidéo sera générée par l'IA avec tous les assets et tout et tout. Okay, une fois que le logiciel a généré tout notre script, donc vous pouvez voir là, nous avons nos frames ici. Donc nous avons toutes nos scènes dans les scènes donc le logiciel utilise pour générer la vidéo. Ici nous avons notre timeline, donc nous avons la voix off, nous avons ici la musique. Et vous voyez que nous avons spécifié, il était de 55 à 60 secondes, mais ici on se retrouve avec 1 minute 17 secondes. Cela est dû à la génération de la voix off, dont la voix off a eu un peu à prendre plus de temps. Donc, dans les prochaines vidéos, on tiendra compte de cela lors de la génération. On pourrait mettre des marges un peu plus décalées pour que la voix off ne puisse pas, nous faire des surprises, par exemple, comme ceci. Le temps que le logiciel génère la vidéo, alors nous patientons un peu. Et voilà que notre vidéo est générée. Donc, on peut maintenant. Imaginez le soleil qui brille fort, les oiseaux qui gazouillent avec joie, et voici Dag, qui fait des pas joyeux avec un sourire radieux. Chaque pas incarne le bonheur, répandant la positivité partout où il marche. Prêtez attention à la gaieté contagieuse de Dag, célébrant les moments quotidiens de la vie. Exsudant la joie à chaque pas, il est l'épitomée des promenades heureuses. Non seulement Dag est joyeux, mais il est aussi l'ami de tous les animaux. Regardez-le jouer avec les lapins, parler avec les oiseaux et rire avec les écureuils. Donc voilà un peu cela et une fois que votre vidéo est générée, vous allez maintenant cliquer sur exporter et l'outil donc va s'en charger maintenant de lancer le rendu pour nous. Et une fois que votre vidéo est exportée, alors vous pouvez aller publier cela là où vous voulez. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec cet outil. Vous pouvez voir que la voix off est de qualité, les images sont de qualité, les scripts également sont de qualité et le montage et tout est vraiment professionnel. Donc vraiment cet outil, plus besoin de dire que vous allez aller prendre plusieurs outils, Evenlabs, CapCut et bien d'autres pour pouvoir assembler tout cela. Donc cet outil Zebra 4 rassemble tout cela et en plus. Ce deal vraiment c'est formidable, donc même moi je vais prendre le deal et je vous recommande également de prendre ce deal parce qu'avec derrière comme ceci vous pouvez vraiment gagner de l'argent avec peu importe les niches. Vous avez vu par exemple la niche pour les enfants, ce sont les niches aujourd'hui qui cartonnent beaucoup. Vous pouvez prendre les niches pour les histoires, ça va dépendre de vous. Donc ces vidéos sur les réseaux sociaux vraiment cartonnent aujourd'hui et je vous recommande vraiment de vous positionner dans ce marché avec cet outil. Donc voilà un peu, c'est tout pour cette vidéo. Et bon, là, le téléchargement est en cours. Et ce qui est encore bien avec la version gratuite, c'est que il n'y a même pas de watermark, donc il n'y a pas de signature. Et il y a aussi, bon, un dernier détail que je voulais, il faudrait que j'en parle avec vous. C'est le niveau des crédits. Donc, il faudrait que vous compreniez comment est-ce que sont épuisés les crédits. Parce que le deal de 49 dollars à vie sur AppSumo ici, on nous dit que nous avons droit à 120 crédits dans chaque mois et 199 dollars droit à 750 crédits. Donc, pour les crédits, si je parle par exemple au niveau de mon compte, crédit et billing, bon, là, vous voyez que j'ai déjà utilisé par exemple jusqu'à 15, presque 17 crédits. Et comment cela fonctionne, nous allons cliquer ici.
Alors, pour que j'essaie un peu de vous expliquer comment est-ce que les crédits fonctionnent. Donc, premièrement, de comprendre, pour chaque vidéo téléchargée, cela va prendre un crédit. Et par exemple, au niveau des voix off, vous avez vu qu'on avait deux modèles de voix off, la voix ultra et la voix sim. La voix ultra va vous coûter plus de crédit que la voix sim. Donc, nous avons par exemple ici, si nous prenons le stock, donc au niveau des stocks des médias, c'est entièrement gratuit, cela ne va pas nous coûter de crédit. Si nous prenons la réalisation de la voix off ultra par minute, par exemple pour cette vidéo comme j'ai créée qui fait 1 minute 17 secondes, donc 1 minute m'a coûté en moyenne au moins 4 crédits, donc disons 1 minute 17 secondes, au moins 5 crédits. La voix off standard, donc par minute, c'est un crédit, mais elle n'est pas de très bonne qualité. Et bon, le premier téléchargement est gratuit, je me suis trompé. Et une fois quand vous allez vouloir relancer le téléchargement, si vous avez apporté des modifications à votre vidéo, alors cela va vous coûter un crédit pour les exportations plus tard. Au niveau de tous les visuels sont créés avec l'IA de la vidéo, donc c'est 5 crédits par minute. Et tous les visuels des zooms, sur les images vidéo, c'est 8 crédits par minute. Et en fonction de vos 120 crédits, cela va déterminer. Cela va dépendre autant pour moi de la durée de la vidéo. Et bon, en fonction de cela, supposons que pour, je ne sais pas, peut-être vous pouvez utiliser peut-être 5 crédits par vidéo. Vous pouvez diviser, 120 divisé par 5 pour essayer de connaître le nombre de vidéos que vous pouvez faire avec. Avec cet outil. Si vous utilisez maximum 5 crédits par vidéo, cela peut vous faire jusqu'à 24 vidéos que vous pouvez générer comme cela chaque mois. Et vous pouvez vous engager de publier une vidéo par jour et développer vos comptes réseaux sociaux comme cela. C'est tout pour cette révision. J'espère qu'elle vous a plu et que, bon, si vous avez trouvé le deal à temps, que vous l'avez pris ou par contre. Vous pouvez vérifier encore si le deal est encore disponible. Donc, vous trouverez le lien de mon article que j'ai écrit là-dessus. Et vous trouverez encore plus de détails là et le lien également pour prendre le deal. Merci.